Et moi les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ma voix, je crois que je suis en train de tomber malade. Mais euh, du coup, on n'a pas l'impression un petit peu de se faire stalker là <laughs> Bonjour monsieur. Bah, attends, c'est pas le magicien là, ça ça doit être le, le daron de, de, des enfants ici. Mais euh, ouais, du coup, on est dans l'épisode 46 les amis. et J'ai regardé vos commentaires. Alors oui, je suis totalement débile parce que oui, vous avez raison, on peut pas avoir des triplets puisqu'on est déjà sept à la maison. Donc on peut avoir qu'un mono bébé actuellement. Euh, donc je sais pas pourquoi euh, dans ma tête je voulais tellement des triplés que j'avais oublié de qu'on bah, qu était déjà sept et que c'était limité à huit. Donc euh, au moins ça c'est fait. D'un côté je me dis qu'on est à l'alphabet au X. Donc euh, d'un côté euh, avoir des triplés quand euh, on est euh, à l'alphabet X c'est peut-être pas non plus le meilleur mo moment je dirais. Mais au moins euh, on a des prénoms pour une fille et on a un prénom pour un garçon. Donc Xavier ou Zena c'est vraiment les deux qui sont sortis le plus. Euh, c'est vrai qu'en même temps, on n'a pas hyper le choix. Et pareil pour la serre, donc euh, vous m'avez vous tous dit de faire une serre, que ça n'empêchait pas euh, de pousser, du coup bah, ça poussait hors saison. Et que, apparemment, ça pousse même plus vite. Bah, tant mieux, écoutez les amis, on, on va faire ça, hein, on, va faire, on va faire une serre. Attendez, quoique, avant de faire la serre, parce que je vois que niveau budget, on va peut-être attendre un petit peu. Je ne sais pas si on arrivera à le faire dans cet épisode. Dans le prochain, c'est sûr, si, si on arrive à économiser. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire une belle petite serre quand même, mais pas faire un truc à l'arrache. Donc on verra bien si on l'a fait vraiment dans cet épisode. Il y a vraiment tout le monde qui est fatigué, il y a tout le monde qui part se coucher. Tout le monde est en train de faire des petites activités. Les bambins sont en train d'apprendre les formes tout en se parlant entre elles. Voilà, comme ça, ça fait deux aptitudes en même temps. Ici, euh, bah, on a. Donc ça, c'est Victoria qui est en train de faire ses devoirs. Enfin, c'est même des, des, des petits devoirs en plus, on va dire, un petit projet scolaire. Euh, là euh, pour Ulysse il va uniquement faire ses devoirs car il a déjà un A et ensuite il va je pense aider sa soeur je pense que sa soeur euh, vu comment qu'elle est euh, au niveau des notes elle va juste faire des des, du travail supplémentaire, des devoirs supplémentaires mais je ne pense pas qu'elle ait besoin de faire un projet scolaire supplémentaire vu euh, bah, comment elle est avancée euh, au niveau de l'école ça devrait être suffisant et euh, bah va voilà qu'on s'en occupe. Également, vous avez euh, été quand même très très euh, très euh, nombreux à me dire en commentaire que euh, si euh, les trois filles enfin euh, que comme par hasard les trois filles qui étaient nées entre guillemets sans visage, enfin qui ont grandi surtout sans visage parce qu'elles sont nées finalement avec un visage, et eh ben ce sont les trois magiciennes et vous avez raison maintenant que vous le dites, euh, j'y avais pas pensé mais euh, je sais pas, il doit y avoir un problème avec un CC euh, qui doit euh, interférer avec euh, avec euh, les magiciens, les enfin les sorciers, et les sorcières. Donc vous avez totalement raison. C'est trop cool parce qu'en fait ils peuvent être à trois pour faire euh, le projet scolaire. Je, je savais pas et euh, je je pense que je suppose que ça va encore plus vite quand ils sont trois. Mais c'est trop bien, j'adore. <laughs> Par contre c'est dommage que ça n'augmente pas le social de travailler en groupe sur un projet scolaire, ce qui me semblerait logique d'ailleurs que ben que ce soit le cas. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à la laver dans la, dans la baignoire, il doit encore y avoir des problèmes avec les, les baignoires. Du coup je me suis dit bah tiens, je vais tenter de la laver dans, la, dans le lavabo. D'accord. On va voir ce que. J'ai jamais lavé un bambin dans un. dans un lavabo, donc pourquoi pas Ok, qu'est-ce qui se passe Bah rien du tout en fait. Pourquoi tu, tu ne l'as absolument pas lavé ah, Ok, c'est donc ça. Euh, pas terrible en vrai, hein. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Bon, je vais, je vais retenter quand même. Donner un bain. Peut-être que c'est parce que j'essaie de lui donner un bain euh, de mousse, mais. Allez là, emmène-la. Non, elle veut pas. Oh, t'es chiante, meuf. Ils veulent pas se faire laver les bambins. Oh bah tant pis. Vous devrez vivre avec votre odeur. <laughs> Je demande à Maddie d'essayer de prendre un bain et elle non plus, elle peut pas. Donc, je pense que cette baignoire, je vais la changer parce que c'est problématique. Hein. J'ai l'impression que les, les baignoires, il y a un problème avec. Alors, je sais pas si c'est juste parce que c'est celles qui sont en angle et qu'il y a un souci. Mais franchement, c'est ultra chiant, quoi. C'est pas la première fois. J'ai plein de problèmes de baignoire dans ce baby challenge. On va, on va essayer de trouver autre chose, mais je pense qu'on va essayer de prendre. Ah, mais attendez. Attendez, je reviens en arrière. Et au lieu de faire ça, je vais tenter. Bah j'ai oublié qu'on avait une baignoire ici. Donc on va voir pour lui donner un bain de mousse ici. Et c'est qui qui est debout Bah il me semble que c'est Wendy qui est debout. Oui c'est Wendy qui est debout. On va s'occuper d'elle un petit peu. Mais il y a un problème, je sais pas pourquoi elle n'arrive jamais à remonter les escaliers. Bon c'est pas grave, on va la déporter ici puisque bon à un moment donné euh, faut arrêter de déconner là. Euh, donc ici la baignoire, on retente encore. Mais mais lol quoi. Attends. Et toi, si je te demande de prendre un bain, tu vas le faire Bah oui. Oh non oh non ça commence. Donner un bain de mousse à Wendy s'il vous plaît. Ça a l'air de fonctionner cette fois-ci. Regardez elle est en train de danser, c'est trop mignon. Oh là là, elle est tellement concentrée. Elle est trop fière d'elle. Regardez-la, elle est hyper fière d'elle d'ailleurs. Elle a non, ça... Elle a des oreilles de d'elfe, là, quand même. J'ai un peine de le remarquer, maintenant. C'est une elfe. C'est une magicienne elfe. Bon, par contre, euh, j'en ai un peu marre, là. Euh, m'a dit... Est-ce que tu pourrais faire ce que je te demande de faire C'est-à-dire de donner un bain à ta fille. Tu comprends, ça Mais elle veut pas J'en ai marre C'est bon, je give up. C'est bon, je give up. Vous allez puer jusqu'à ce que vous grandissez, là. C'est bon. Oh, à un moment donné, faut arrêter. Ah, votre problème, hein. Votre hygiène, votre problème. Ok, Ursula, elle a eu un A, alors on va regarder un petit peu tout ça. Pour les enfants qui viennent de rentrer de l'école, Ursula, elle a eu un A, donc euh, normalement Ulysse a toujours un A, effectivement il a toujours un A. Concernant Victoria, j'espère qu'elle a un B, oui elle a un B. Et Viviane, j'espère qu'elle a un B aussi, et oui elle a un B, donc là pour le moment ça va. Donc les deux, euh, bah, les deux plus grands, ils vont grandir, ils vont devenir adolescents les amis, euh, je sais pas. Si on a toujours un, un gâteau, oui Yes On a un gâteau, on peut les faire grandir directement. Oh, ça, hop, ça dégage au lavabo. Mais comme ça, bim, ils rentrent et direct, ils soufflent les bougies. Allez, on souffle les bougies directement. Euh, pour eux, ils vont... Oh là là, fatigués. Hein. Oh là là, cette bande de fatigués qui revient de l'école. Mais en même temps, je les comprends, les pauvres, ils sont allés à l'école, ils étaient HS. Les deux euh, derniers enfants, ils vont aller dormir. Et toi, tu vas pas aller dormir, tu vas attendre ton tour pour souffler les bougies. On va regarder un petit peu comment ils vont grandir. Euh, et que vont-ils devenir Alors, pour Ursula, euh, elle est pff, délicate. Comment tu peux être aventureuse et délicate en même temps bah, C'est vraiment les deux opposés, euh, vraiment. Euh, donc, je comprends pas trop là. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On va la mettre bien évidemment en sport. Euh, ben on va mettre culturiste pour changer peut-être parce que bon passionné de sport on l'avait déjà mis on va mettre allez hop culturiste. Il y a, ça, il y a rien qui va, il y a rien qui va pour Ursula. Et euh, ben Ulysse il va mettre des bougies d'anniversaire. Et vu que toi t'es fatigué bah écoute hein, tu vas aller dormir. Hein. Elle est jolie hein, quand même Ursula, ça lui va bien cette coupe je trouve. Et toi, pareil, tu vas souffler les bougies, mon ami. Et voilà. Et lui, il est actif et kleptomane. Bah écoute, ça, ça par contre, je suis d'accord, ça, ça va bien assez ensemble. Parce qu'au moins, s'il se fait choper sur le fait, il pourra courir vite s'il est sportif. On va le mettre euh, bah, donc, dans la déviance. Et ce sera un ennemi public. <laughs> je crois que c'est le deuxième de la famille qui est ennemi public quand même. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, il est BG hein, quand même. Il est BG. Par contre, le make-up, ça va pas avec son style. Euh, on va remettre des bougies d'anniversaire. Pas sûr qu'on puisse avoir le temps d'utiliser le gâteau. Il reste combien de temps Oh, 17h, c'est bon. Dans le frigo, ça tient plus longtemps. Voilà. Hop là Par contre, il commence à y avoir des vêtements un peu posés partout, là. Et on n'a toujours pas créé la buanderie Alors, dites-moi en commentaire, euh, d'abord la serre ou d'abord la buanderie qu'on fait en premier, comme ça. Dans le prochain épisode, j'aurai assez d'argent, peut-être même pour les deux mais, enfin, euh, les machines de buanderie, je sais pas combien que ça coûte, mais euh, bon, on veut quand même de la qualité, les amis. À vous de me dire On va aider Ursula à faire ses devoirs cette fois-ci, hein, chacun son tour. Peut-être avec un peu de chance, j'arriverai tous les deux à leur faire avoir un A en deux jours. Ouais, non, de toute façon, c'est pas possible, ils pourront pas devenir adultes avant lundi. Dans tous les cas, c'est mort. C'est mort dans le game, je me suis fail, je me suis fait, c'est comme ça. <laughs> Comment ça je mets ma souris sur Maddy à marqué voisine dessus Mais c'est une blague ou quoi Mais c'est une blague, c'est peut-être pour ça qu'il a un problème pour passer la porte d'entrée là. Ah non mais le jeu il a complètement euh, fumé de la tête hein À quel moment c'est une voisine Madi <laughs> J'ai à peine le remarqué mais c'est peut-être ça le souci en fait euh, avec la porte. Bon c'est pas grave, je pense que la prochaine fois que je rechargerai la partie ça devrait régler j'espère le problème hein, mais, mais c'est une blague. <laughs> ah le travail a commencé pour Madi le travail a commencé pour Maddy, c'est pas grave, elle attendra encore un petit peu. J'aimerais bien qu'elle accouche après minuit, histoire qu'on gratte une journée, vous voyez ce que je veux dire? Donc euh, je sais pas comment ça marche, euh, le timing euh, quand on n'est pas enceinte et enceinte, est-ce que c'est à la journée, est-ce que c'est à l'heure près, etc etc. Mais si c'est à la journée, préfère qu'elle attende jusqu'à minuit passé pour qu'on soit vendredi. <laughs> la pauvre quoi. Oh, oh c'est bien, elle est venue manger ici. Pour une fois qu'il utilise cette table, qu'est-ce que je suis contente? Il est minuit passé, elle peut aller euh, tranquillement. Euh, accoucher. Bah, j'aimerais bien qu'elle puisse aller accoucher mais euh... je peux pas interagir avec elle. Mais il y a vraiment un problème avec ma Sims. Hein. Bon bah, je vais attendre qu'elle ait ses... ses enfants naturellement. Écoutez, euh... écoutez, elle est buggée la Sims, elle est buggée. <laughs> Est-ce que si je fais genre comme ça réinitialiser l'objet, bah toujours buggée. Bah écoutez, euh, je peux pas l'envoyer à l'hôpital, je peux pas interagir avec en fait, j'ai l'impression que voilà, je peux je peux faire des actions avec elle, mais c'est comme si elle était pas dans la famille. Enfin, c'est trop bizarre. Ok, meuf. Ok. Euh, T'as peut-être d'autres choses à faire, madame. Comme je sais pas, par exemple, faire tes devoirs. <laughs> ah, ça y est. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe Il y a eu un truc bizarre en dessous de ces yep Qui sont apparus des LED. De bon, toute façon, c'est un mono bébé. Et et et. Oula, qu'est-ce qui se passe Il y en a une qui clignote devant nous là. Euh, Maddy est en train d'accoucher, donc comme je vous avais dit, de toute façon on peut avoir que un mono bébé, donc euh, bah, ce sera Xena, c'est une fille. Voilà, donc euh, Xena Clark. Euh... Hop là, Xena Clark. C'est qui déjà le papa de Xena On va regarder ça, c'était un triton, non Donc on le saura pas tout de suite si c'est une sirène ou pas, par contre. C'est trop tôt pour, euh, pour le savoir. Mais il me semble effectivement que c'était un triton, le dernier papa. Oui, c'était Itua, il me semble, son papa. Donc c'est peut-être une sirène, mais on ne sait pas encore. Voilà, bébé au salon comme d'habitude, mais il faut vraiment que je trouve un autre endroit pour ces bébés, quoi. Mais j'avais pas pensé, j'avais oublié que si je mettais les bébés dans la même pièce que les bambins, ils allaient se réveiller mutuellement. Donc euh, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Et maintenant, je suis perdue. Je ne sais plus qui a fait ses projets scolaires et qui ne les a pas fait. Je crois que les deux dernières n'ont pas fait leurs projets scolaires. On va d'ailleurs acheter des projets scolaires parce que là je vois qu'il y en a qu'un seul, ça ne va plus. Et voilà de jolis petits projets scolaires pour nos amis euh, qui vont pas être contents de les voir d'ailleurs hein, parce que bon, euh, <laughs> qui a envie d'en faire Personne. Donc je vais demander aux deux dernières bah, de commencer à faire leurs projets scolaires. Et eux pareil, je ne sais pas, je sais plus qui a fait ces projets scolaires. De toute façon, eux, il faut qu'ils aient de la compétence et je pense que s'ils n'ont pas les compétences, c'est qu'ils n'ont pas fait leurs projets scolaires. C'est que ça doit être ça. Mais j'y arriverai pas, hein. le timing ça va pas du tout, hein. Pour les deux dernières, oui, mais eux, ils sont pas. Enfin, quoi que lui, il pourrait. Il est plutôt bien. Mais je pense que ouais, si je suis là, il me semble qu'elle l'a fait, hein. Par contre, euh, pas Ulysse, hein. Donc, euh, Ulysse, toi aussi. <laughs> Allez, c'est parti. Pour une petite session scolaire. Et toi, par contre, tu vas te coucher parce que t'es vraiment pas bien. Oh là là, il y a du linge partout, c'est dégueulasse. Voici une petite session scolaire dans toute sa splendeur. <laughs> on a également l'atelier Popo juste là. <laughs> Et on a l'atelier 1-1 juste là. <laughs> on va s'éloigner de l'atelier 1-1. On va dire l'hygiène dans cette famille est un, est un problème. Je le concède, il n'y a pas de souci, je l'assume. C'est un problème. Et oui, je suis totalement en train de laisser Xena pleurer dans son caca. <laughs> What? Qu'est-ce qui se passe ah oui, d'accord, soirée en ville. Ouais, bah ça va pas être possible là. Oh, rencontrer son nouveau frère ou sa nouvelle soeur. Ok, c'est fait, maintenant elle repart, elle est contente. <laughs> oh, il est 8 heures. Oh là là, elle va aller à l'école comme ça. Ah Attends, non, non, vraiment. Bon, oh, tant pis, tant pis, y a pas de problème. Allez-y, on a rien vu, je vous ai fermé les yeux. Là, vraiment, fermez les yeux, imaginez-vous les vagues de la mer. Euh, parce que c'est pas très beau à voir là là. Là comment ils vont à l'école, c'est vraiment pas du tout beau à voir. D'un côté je me dis tant mieux que c'est le week-end, je vais pouvoir un petit peu, voilà, <laughs> un petit peu remettre tout ça en ordre parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Bon moi elle a fini, euh... elle a fini de faire son projet scolaire Viviane. On va faire des salteambocad de poulet de tofu. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est non plus les salteambocad, donc merci de m'avoir dit ce que c'était les gambos la dernière fois. Euh, par contre, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'apparemment c'était gluant quand c'était cuit. Oh, je sais pas, je je serais peut-être euh, pas attirée par la texture. Peut-être ça se fait, c'est vachement bon. Euh, mais en tout cas, les saltimboka, pareil, ça a l'air hyper bon. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Voilà, donc il y a encore des gens qui ils ont peut-être euh, connu, enfin qui connaissent cette recette. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que c'est. Moi, ça m'intéresse. Ça m'apprend des trucs tous les jours. Bon après, il y a aussi saltimboka de poulet tout court. D'ailleurs, je vais faire les les tout court. Je vais faire les tout courts, je vais faire cela. Bon, la salade César, on sait ce que c'est, hein. <laughs> la salade El Famoso du McDo. Euh, hop, on va faire ça. Et voilà, les saltimbocas sont prêts. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air plutôt pas mal en vrai. Ça se fait, en réalité, ça ressemble pas du tout à ça. <laughs> Et voilà, compétence au niveau maximum de l'éducation pour notre Madi, c'est parfait, puisque maintenant on a techniquement... Accès aux soins du bébé ultra efficace qu'on débloque au niveau 10, donc euh, c'est parfait. C'est parfait, on adore. On adore. Je vais finalement quand même tenter de changer la baignoire parce que peut-être que c'est effectivement la baignoire qui bug et vu que l'autre elle est au premier étage, je sais pas, m'a dit elle a la flemme d'emmener son bébé au premier étage, je ne sais pas. Il y a un gros problème, donc on va la vendre, tant pis. J'ai vraiment pas le choix parce que là ça me fait vraiment mal au cœur là, de ces bambins, ils, se, ils sont tristes parce qu'ils sentent mauvais et je les comprends, enfin ça doit être super inconfortable. Euh, par contre, du coup, en vert, il n'y a rien. Pff. Ah si, il y a celle-là. On va tenter de mettre ça comme... Ça comme ça, et le tapis, bah du coup, on va le mettre comme ça. Bon, ça va, c'est pas... C'est pas hyper dégueulasse non plus, hein. On va donner un bain de mousse bah, à Willow, vu qu'elle est debout. La petite Willow. S'il te plaît, faites que ça fonctionne. S'il te plaît, je t'en supplie, m'a dit lave ton enfant. Non, toujours pas. J'en ai marre. Alors là, là, les gars, j'en ai tellement marre. J'ai foutu cette fucking baignoire au milieu. Ah, <laughs> oh, je craque, là, total. Je la fous au milieu. Là, franchement, meuf. Là, franchement. Donne un bain. Genre, même pas un bain de mousse. Même juste un bain, ça me va. Mais non, mais comment ça Tu peux pas y aller. Ouh, ouh. Alors, je suis en train de me poser la question si ça vient pas du fait que euh, Maddy est considérée comme une voisine. Mais elle est plus considérée comme une voisine Mais je peux toujours pas interagir avec elle, donc peut-être que c'est elle qui bug et pas la baignoire. Auquel cas, tant pis, la baignoire, cette fois-ci, je, je la laisse comme ça. Je vais demander aux ados. Il me semble que les ados, ils peuvent donner les bains. Donc euh, dès qu'ils rentrent, je vais tenter de donner un bain avec les ados pour voir si ça fonctionne. Oh là là, mais là, il y a des vêtements partout, c'est dégueulasse Ah, il me faut une buanderie Il me faut une buanderie Oh, regardez ce truc. Oh, <laughs> oh la pauvre. Oh, j'aurais trop kiffé. Non, mais glitcher, mettre le toboggan contre le mur, vraiment pour savoir si elle va pop de l'autre côté ou pas. Oh, je suis vraiment. Ch... J'ai des idées cheloues des fois, faut pas m'écouter. Je sais, mais je peux pas te donner un bain, ma petite. Ulysse a volé un objet à l'école. Oh, Ulysse. Ah, bah oui, il est kleptomane. Bah, Ulysse. Bon, laquelle est le mieux Ok, elle, elle est un petit peu mieux. Je vais essayer de voir si elle peut donner un bain, s'il te plaît. Donne-lui donne un bain, s'il te plaît. On va voir. S'il te plaît. Ça a l'air de fonctionner, en fait. Euh, bah, en fait, le problème, c'est Madi, quoi. Madi Madi Pourquoi tu m'as pas dit que c'était toi le problème Oh Donc euh, pour bah. Ici on a quoi Ici on a un B. Ici on a un B. Franchement je suis contente. Un B pour le premier jour en tant qu'ado, c'est bien. Euh, ensuite on a un B pour les deux petites normalement. Oui et là du coup on va voir tout le week-end pour attraper tout ça. Bah, écoutez les amis, peut-être que cette vidéo sera plus courte que d'habitude, mais euh, là le problème avec Maddy et tout, ça me, ça m'énerve. Voilà, je vais, je vais craquer, je vais commencer à faire des trucs chelous dans ma partie, donc vaut mieux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et comme ça, ça va nous laisser un full épisode pour le week-end, pour tout ce qui est les activités, pour essayer d'upgrade les enfants le plus rapidement possible, pour que lundi ils aillent à l'école, ils obtiennent tous un A, comme ça. Euh, si euh, lundi ils reçoivent tous un A, donc les ados deviennent adultes, ils partent, les autres enfants ils deviennent ados, donc ils remplacent entre guillemets les autres ados, et euh, ça nous laissera donc de place dans la famille pour retomber enceinte, pour repartir au combat, pour repartir charo, euh, donc euh, voilà. On va faire ça comme ça. Euh, j'espère que cet épisode, malgré ses euh, petits inconvénients, vous a plu. J'espère qu'il vous a fait rigoler un petit peu, euh, moi et mes galères. <laughs> j'espère vraiment hein, que ça vous a pas énervé autant que moi, parce que oh, je... oh là là, ça m'énerve entre la porte, la baignoire, m'a dit a rien qui va. Je, que je le dise, hein, m'a dit euh, tu es coupable dans cette affaire, tu es totalement coupable. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bisous à vous et ciao ciao.